rentre bien. Allez, on aimerait avoir un rôle. Le départ le plus catastrophique depuis la création de Trekat. Quel départ de merde. Il est 11h15, on n'a pas démarré encore. Je suis parti de la maison ce matin à 6h20. Quelle heure il est? 11h15. Nous sommes en compagnie, comme d'habitude, du parrain de la chaîne. Parrain de la chaîne, voilà. On l'amène sur les terres du Ventoux. Ouais, on est sur les terres un petit peu des sudistes là. Hein. Aujourd'hui, on fait le Ventoux. Accompagné comme d'habitude. Première fois que tu prends ta bagnole. Plus jamais. Et derrière mon petit Pierrot. Oh là là, tout le monde. Dans une des dernières vidéos, on a fait tes obsèques. C'est vrai. Et tu es là. C'est là, j'ai ressuscité. Tu es reviendu à la vie. C'est ça, c'est grâce à ma femme ça. Oh Marie. C'est bof là. Marie c'est sa femme, elle est pas vierge. Allez, aujourd'hui on est parti pour faire le Ventoux, le géant de Provence. Je l'avais jamais fait. Et pour changer un petit peu, et je crois que je le ferai plus jamais. On est au-dessus de Bédouin. On est au-dessus de Bédouin. On va passer par la combe de la Grave. On va passer devant le jas de la Couanche. C'est là qu'on dort ce soir. C'est là qu'on dort ce soir. Là, on va poser juste un peu de la flotte. Parce qu'ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau à part la fontaine. Mais je me rappelle même plus qu'il y avait une fontaine. Mais bon, elle n'est pas tout à fait sur le parcours. Et puis voilà. Oh, Yves, d'ailleurs, j'avais un truc à te dire. Ouais. Il faut que tu finisses toutes les phrases que je vais te dire par « Je suis un homme ». Alors, samedi soir, t'es sorti avec les copains boire un coup parce que... Je suis un homme. Du coup, vous avez bu un coup avec les collègues, les bouteilles sont distillées, machin, parce que... Parce que je suis un homme. Et là, vous êtes sorti après en boîte, du coup, vous avez rencontré des filles et tout parce que... Parce que je suis un homme. Et là, t'en as serré une et tout, bien, machin, tu la ramènes dans la baraque parce que... Je suis un homme. Voilà. Et t'as commencé à la déshabiller, machin, à la caresser et tout parce que... Je suis un homme. Et là, elle a commencé à lever la petite culotte et tout, elle s'est allongée sur le lit et là, elle t'a dit... Je suis un homme. Ah, putain. Je sais pas si c'est la dernière. Pierrot. Tabernacle. Quelle ambiance! Ça me déconne! Ah, il nous gonfle depuis ce matin! À droite, à gauche, la roue à homme, et là c'est beau! Et la comme, et le cil là, ta gueule! Ah, c'est terminé, je viens plus avec vous! Il y a le cappuccino et il y a le cappuccino! C'est l'osmose parfaite! Il y a une ambiance de départ de rando, le duo derrière moi là! Il supporte plus Pierrot! Pierrot, tu vois, ça fait deux sorties sans nous! Ouais. On s'est habitué à que tu sois plus là. Ah viens, t'as tes sangles encore, y'a tout qui part et tout. Vas-y, chef. Oh con, franchement, on met faire ça, un sac comme ça. Ça les gars, en rando. C'est quand je vois des gens avec les sacs dégueulasses, tout qui part, les machins, les sangles, là, le sac poubelle qui part et tout, ah, vous me dégoûtez. Allez, sur ces belles paroles, bonne vidéo. Ouais, c'est bon. Je vais appeler ma femme, je vais dire qu'elle vient de me chercher. Tu te casses, Pierrot. Ouais, midi, on n'a même pas démarré. Oh. Tu mets ça, oh. Allez. Garde ton eau, putain de con. Il n'y a pas d'eau ici. Pourquoi ça, je t'ai pas dit, gros.
Il y en a 21, je crois. 21, 21 ou 24 jas dans le... Ouais. Et avant, ben, c'était que des bergeries. C'était que des bergeries qu'il y avait sur le Ventoux, quoi. Ça, c'est sur, voilà. Sur l'application Visorando, là, le chemin qu'on prend, ça s'appelle le sentier des jas. Tu fais tous les jas du tour du Ventoux. Le Ventoux, qui veut pas aucun rapport avec le vent. Ventoux en provençal, ça veut dire vue de loin. Ouais. Aucun rapport avec le vent, même s'il y a beaucoup de vent. Ouais. Ah ouais, d'accord. Arrivé au jas de Coinche. De la Coinche. Pardon, jas de la Coinche. C'est pas mal, hein? En gros, c'est là où on va dormir ce soir. Et on passe ici juste pour déposer un petit peu d'eau. Pour ensuite monter au sommet du Ventoux qui est là-haut. Là. C'est un peu perturbant parce que par où on est arrivé, en fait, on est dos au Ventoux et on descend. Pour le jas, après, il faut remonter. De l'autre, je parle à notre chemin. Je comprends rien, il va se sortir. Je comprends rien à ce qui se passe. On suit, hein, heureusement qu'ils savent où ils sont. Hein. Sinon, ce serait déjà perdu 5 fois. Ça fait 3 détours comme ça. Alors allez, on va se faire un petit arrêt bouffade. Le petit jas, c'est joli. Il est pas très grand par contre. Hein. C'est ouvert, mais il y a 5 couchages. Allez, 6 couchages. Voilà. À peu près. Si tu fermes, tu dois 5 là et là. Voilà, ouais. Allez, entre 5 et 7, max 7. Ouais, max, max. Hein. Ouais. Pas de max même. Ok, d'accord. Bon, ben... Piro, déconne pas. Tu montes encore dans le chemin hyper raide. Tu vas à gauche, je ne dépêle rien par la piste. On est à la chapelle Sainte-Croix. Ça y est, on est au sommet du Ventoux, Fada. Trop bon. Ouais, il nous reste quelques... Ma première au Ventoux, il parle de la chapelle. Quelques mètres pour arriver au sommet. Ok, elle est magnifique cette chapelle, là. Elle est belle, hein. Le chef, il veut qu'on remonte en hiver pour la faire raquette, ski... Il n'y a pas grand-chose à faire, il y a 500-600 mètres de dénivelé. Ouais. Bon, c'est redasse dans la neige avec le... Bah, t'inquiète. Tempête. Bon, c'est pas parce que je suis chauvin, hein. C'est joli, vraiment. Quand vous arrivez là, vous dites voilà, on est sur le sommet de la Provence. Putain, gros, ça vaut pas mes petites Alpes, non? Ah non. Par contre, tu vois, quand tu arrives là, que tu vois en face, ouais. Il y a des beaux sommets encore avec un peu de la neige. T'as une belle vue, mais après, non. C'est joli à 361. C'est à faire, mais bon, c'est pas. C'est un peu platouné. Ouais, mais au moins, le plus haut sommet de Provence, validé. C'est fait. Le resto au bar est ouvert. Ouais, ouais. Il est loin le bord, hein. Et à montagne, il a dit oui. si c'est ouvert, parce qu'il pensait vraiment que c'était fermé. Je prends 3 pintes. Et il a dit je prends 3 pintes. Voilà. Du coup 4 pintes, parce qu'on est 4 en fait. Non mais 3 pintes pour moi. Ah. Ce vin
ventoux humides. Ventoux humides. Ventoux, il faut toujours le dire, vu de loin. Ouais. Là, c'est plus ventoux humides. Non, non, pas trop chaud. Il a envoyé le pâté, le vieux. Tu as envoyé le pâté, le vieux. Oh, ouais. Tu es un monstre. Bon, comme je te dis, tu vois, c'est. Ouais, ça va faire. Mais... C'est un peu con de. Tu peux faire une belle rando et tu finis avec le bitume, les motos, les... Ouais. Mais bon, ça va. Mais justement, j'ai signé un contrat, j'ai pas le droit de boire d'autres bières que les leurs. Ouais, et ta soeur, par contre, bouge-toi le cul, parce que j'ai soif. Eh ben, bois. Bon, écoutez, on voulait faire un truc sympa. Le vieux, il est pressé, il a soif, donc on va faire... Voilà, une vidéo comme ça. Alors, santé. Ciao. Bah, chin avec Nico, quoi. Le reste, il va se faire enculer, quoi. Il attendait que le chef de la chaîne. Pas le chef du groupe, le chef de la chaîne. J'ai Moi, vu. Je vais attendre le parrain de la chaîne, par contre. J'ai jamais vu des bâtards pareils. Je t'attends. Ah, ben. Mais dépêche, parce qu'entre la caméra et la bière, c'est assez lourd, hein. Ah, c'est costaud. Oh, belle machine. Bonsoir, Corentin, ça va les coups. Belle machine. Il y a un petit goût, là, tu vois. Un petit goût de quoi ? De merde. De merde ? Non, non, un petit goût. Ah tiens, santé. Santé, hier. Santé. Ne renversez pas sur la production, s'il vous plaît. Ah ouais, merci. Non, ça va, ouais. Ah, c'est pas bon sympa. Santé, santé, santé. Oh, ça me déconne. Après la bière, qu'est-ce qu'on fait, là ? Ouais, va le goûter, hein. Foie. Petite tarte aux myrtilles, hein. C'est l'histoire d'un couple, ça fait des années qu'ils sont ensemble, et t'as le mari qui commence à être un petit peu frustré avec les années, et il va voir sa femme un jour, il lui dit « Écoute chérie, ça fait des années qu'on est ensemble, voilà, je t'aime et tout, c'est avec toi que j'ai envie de réaliser tous mes fantasmes, quoi. J'aimerais bien te sodomiser. » Voilà, la femme, elle est quand même un petit peu outrée, quoi. « Écoute chérie, non, bon, il fait un petit peu la gueule pendant quelques jours, et... Écoute chérie, bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on est ensemble, écoute essayons, tu vois, avec un peu de vaseline et tout, donc passe la soirée, machin, et là, bon, ben, il se passe ce qui se passe, quoi, il la sodomise. Bon, tout se passe bien et tout, tout va bien pour lui, c'est là que tout se passe bien et tout, et là, tout se termine et il se couche de son côté du lit, quoi. Et là, sa femme dit alors et tout, ça t'a plu, machin, et bon, pas trop, voire pas du tout. Elle dit, bon, un peu l'émotion peut-être, bon, elle laisse dormir et le lendemain, alors, au café, chérie, la soirée c'était quand même sympa, ça va, ça m'a pas trop déplu et tout, répond pas. Deux jours, trois jours, et il se passe une semaine, et écoute, elle va le voir, et il dit, écoute, chérie, maintenant, ça fait une semaine qu'on se parle pas depuis que tu m'as enculé, maintenant, dis-moi, quoi, qu'est-ce qui se passe ? Eh, hey, tu vas fermer ta gueule, je parle pas aux enculés, moi. Donc c'est un petit, il a 17-18 ans, il y a une grosse soirée qui se prépare et tout, il va voir son père, il dit écoute papa, là, t'as pas d'autre choix que me laisser sortir, sinon là, c'est pas possible. Écoute c'est simple, j'ai déjà dit il est sorti samedi soir, c'est mort. Papa s'il te plaît et tout, machin, bon il baratine. Au bout d'un moment le père il craque, il dit écoute ok fils, t'as le droit de sortir, mais à 1h du matin je veux que tu sois à la baraque, sinon je te défonce ta race. Car il n'y a pas d'autre alternative, lui de défoncer. Il sort et tout, il passe la soirée, machin, il rentre 7h du matin, le père est comme un fou. Il n'est pas rentré, il arrive à 7h du matin. Ouais, je vais te niquer tant, je vais te défoncer et tout. Écoute, papa, écoute. Je sais que t'es en colère, mais j'ai fait l'amour pour la première fois et. Bah écoute, tu sais, le père est un peu choqué, tu vois, écoute, fils, putain. Ok, bon, bah, assis-toi, on va en discuter. C'est normal, quoi, c'est la première fois. Écoute, papa.
je veux bien qu'on en discute. Par contre, je peux vraiment pas m'asseoir. Toute la nuit, j'ai fait la chenille. Il adore se mettre dans les endroits, c'est un peu... technique. Un peu nul, quoi. Fait la carte depuis. C'est toi ? C'est Habibi. C'est toi ? Mes couilles. Oh, ça te met sur les pas. C'est là, c'est pas là. Ça ouais. Ça, combien de fois ils combien de fois ils font 20 fois par an ils le font. Mais pour moi ils de 20 fois par an, ils le font tous les lundis. Au final c'est toi qui es obligé de regarder les cartes, dire il faut passer par là, non pas par là. Ils sont perdus les deux. La piste, le GROP, le code de Manon. Ils sont perdus. Oh. Nous on fait le Ventoux tous les lundis, ils l'ont jamais fait de leur vie, tu vois pas, hier ils étaient ébahis comme si c'était la première fois. Je l'ai fait deux fois, moi c'est moi qui leur monte à la route. Putain, franchement c'est vraiment des cons. Ouais, on est de retour, hein, au point de départ. J'ai fait trois fois moi quand même. Oh, parce que Yves fait beaucoup de vélo, enfin il faisait hein, à l'époque, il y a deux ans. Putain, il a fait le Ventoux trois fois d'affilée. La journée. Ouais, les cinglés du Ventoux. Les cinglés du Ventoux, qu'est-ce que tu me dis là? Attends, on va finir sur une note sportive. C'est un truc, tu achètes une carte en bas, là, tu fais tamponner, tu montes la première fois par Bédouin, tu fais tamponner au marchand de bonbons, là. Tu redescends à Malocène, tu remontes, tu refais tamponner, tu redescends à Sceaux et tu remontes. Au croisement là-haut là. Oh, il m'a fatigué. Hein. Maintenant il râle pour faire 10 km de rando. Putain, c'est fou. À l'époque c'était la machine. Pour les sports comme putain, la machine. Ah, c'est lui qui a entraîné Virenque. Eh oui, Richard. C'est un poulain. Richard Poulin, Richard Virenque, ouais, ouais. Poulin. Il était dans l'équipe Poulin. Il était dans l'équipe Poulin, Richard Virenque, et c'était ton Poulin. Le chocolat Poulin. C'est ça. Mais ça ne déconne, c'est ça. Ouais. Je m'en souviens. Il a tout appris. Bah, après la drogue, ça l'a rongé direct. Oui, non mais bon. Ouais, mais il est resté sympathique. Hein. Les copains, on va se quitter sur ça. Parce que nous, on a encore de la route. On a plein de choses à faire. On a surtout l'apéro à faire chez Yaya. On vous laisse. Hein. Écoutez... J'espère que vous serez bardé la rigolade. Bardé la rigolade. Bardé, bardé la rigolade. Romain Bardé fait du vélo aussi. Putain, il y a un catalogue là. Pensez à mettre ping ou mettre pong. Oui. Mettre ping-pong. Mettre ping-pong, voilà. Qui passe du bon temps à le 5R qui se détend. Allez, c'est dans la cuerta. Hein. Comme d'habitude, les copains, que Dieu vous l'agrandisse, hein, bien sûr. La vie, bien évidemment. Bye. Ciao. Ciao. Et avoine un peu, là, encore.